Bonjour Marc. Alors déjà bravo parce que atteindre une de ses meilleures performances aux Jeux mondiaux, c'est bien. Ouais. Content. Très, très content. Comment était-elle au pas pendant l'entrée? Là, toute l'entrée, ça semble infiniment long, le pas. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le droit d'aller sur la piste deux jours avant. Alors là, effectivement, les chevaux sont relativement stressés, mais on a pas mal de temps pour rentrer, sortir et faire un petit peu ce qu'on veut. Du coup, elle s'attendait exactement à trouver autant de public, évidemment, parce que là, c'était vraiment nombreux. Mais le fait de passer sous le tunnel, ça, elle s'était vraiment habituée, donc pas de stress. J'ai même pu m'arrêter pour attendre que l'autre cavalier puisse passer avant moi, et j'ai eu aucun souci. Mais elle était comment? Elle était vibrante, là, au pas, avec tous les applaudissements, les cris et tout, ou pas? Non, très, très étonnamment, la jument est vraiment restée avec moi. Je l'ai sentie très concentrée, très sereine. Elle a gardé un très bon contact. J'ai pu continuer à marcher au pas le tour du rectangle que les gens aient fini d'applaudir pour ensuite commencer à trotter. Et tout allait très bien. Et le sol, vous avez eu la chance de passer sans pluie, mais par contre, le sol était encore très, très mouillé. Oui, le sol est détrempé. Après, la piste est la même pour tout le monde et elle tient vraiment le coup parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a plu vraiment toute la journée. Donc on peut encore faire une très belle performance sur cette piste-là. Voilà, on est un petit peu surpris parce qu'on y a toute cette eau, il y a toute cette ambiance, mais ça n'a pas vraiment gêné en fait. Et alors, au galop quand même, les petits problèmes sur le zigzag, sur le changement de pied? Oui, il y a le zigzag où elle descend encore un petit peu sa nuque, où il faut que je contrôle encore un petit peu l'équilibre, mais pour moi c'est beaucoup plus fluide que ce que ça n'a été. On voit aussi les deux temps et les temps qui sont maintenant très corrects et qui sont beaucoup moins chaloupés. Ça a été bien pire. Et puis surtout mes pirouettes, ça je suis ravi de mes pirouettes. Okay. Merci beaucoup Marc et bravo.